monde, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va, on a été prendre le petit-déj et là, on s'est préparé pour aller en excursion. Donc, comme je vous ai dit hier, aujourd'hui, on doit aller voir le banc de sable qui a l'air juste incroyable et on doit aller voir l'île aux tortues, visiter la ville. Enfin, on a quand même un programme assez chargé, donc c'est cool parce que ça va être comme ça toute la semaine. On va vraiment découvrir des lieux trop trop sympas chaque jour, donc on est trop trop contents. Là, juste la météo, bon, c'est mieux qu'hier. Après, il est que 8h du matin, c'est encore un peu voilé. Il y a quelques éclaircies, donc on espère vraiment que le soleil va se lever, qu'on puisse quand même profiter pleinement des activités et aussi du paysage, parce que c'est vrai que le soleil, ça change tout, l'eau, elle est transparente, etc. Donc voilà, c'est parti pour cette petite journée. Bateau qui va nous emmener à Prison Island pour voir les petites tortues. Ouais, petites, ouais. Ouais. Pour moi, c'est immense. Ah, je suis pas sereine du bateau. Oh là là. Bon, bah, on vient d'arriver sur l'île. Je me languis de voir un peu comment c'est. Tu peux pas ? Sac à dos. Donc là, c'est en reproduction. Elles sont trop mignonnes. Eh bien, c'est ça y va. Hein. Non, elle a pas faim. Pas faim, t'as trop donné de salade. Ah, si, mais elle est lente. Elle est énorme. Je crois que c'est la pionnière ici. C'est notre petit coin. On a une petite tente qui est installée. On est dans le centre-ville et là on va rentrer à la maison. Tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous, ça y est, on est rentré à la maison. On a passé une très bonne journée. Donc on a commencé avec les tortues. C'était trop mignon. Elles sont énormes. J'avais jamais vu des tortues aussi grosses d'ailleurs. Le seul truc, c'est que c'est hyper touristique. Donc il y a beaucoup, beaucoup de monde. Donc au final, on n'est pas resté très longtemps. Ensuite, on est parti sur le banc de sable. Ça, c'était vraiment trop bien. On a mangé là-bas. Ils nous ont préparé à manger directement sur place. On a fait des belles photos, des vidéos. On s'est baigné, etc. Et pour le coup, j'ai cramé, mais comme jamais. Je suis rouge, écarlate. J'ai carrément la trace de tout mon maillot de bain sur le corps. En plus, j'avais mis un maillot de bain vraiment pas pour bronzer. Et au final, ça a bien cogné aujourd'hui. Donc franchement, on a passé une bonne journée. C'était super sympa. Hâte de continuer les activités. Demain, je crois qu'on a une excursion pour aller nager avec les dauphins et un restaurant sur l'eau aussi qui est booké. Donc, hâte de voir un peu la suite. Sinon, je voulais aussi en profiter pour vous redonner le petit bon plan pour mon fond de teint que j'utilise au quotidien de chez LA Beauty. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé, c'est la teinte Rebelle. C'est une teinte multi couleur de peau dans le sens où c'est une couleur blanche, comme vous pouvez le constater. Et quand vous l'appliquez sur la peau, en fait, vous allez faire quelques mouvements circulaires pour faire pénétrer le fond de teint. Et vous allez voir, regardez, il se teinte et prend la teinte exacte de votre peau. Donc ça, c'est cool. Pourquoi ? Déjà, pour ne pas avoir à acheter 50 fonds de teint différents,
savoir trouver sa teinte. Vous partez en vacances, vous avez pris un coup de soleil, le fond de teint que vous aviez ne va plus. Là, pour le coup, il s'adapte vraiment à votre couleur de peau. Et ça, pour moi, c'est juste trop bien parce que déjà, ça évite d'avoir des grosses démarcations. Il est multifonction, donc il permet d'être emmené toute l'année dans sa valise, dans sa trousse de beauté, sans avoir 4 fonds de teint différents à chaque fois pour ajuster la teinte en fonction de votre couleur de peau. Et pour le coup, il est hyper fluide, il est hydratant, il a une protection 15, il est vraiment... vraiment complet et surtout ça évite d'avoir 40 fonds de teint différents en fonction des saisons, de la couleur de peau. Et franchement, moi je vous le recommande vivement parce que j'étais pas du tout fond de teint. C'est vrai que moi, à part un peu de blush, du gloss et l'anti-cerne, là celui-ci, honnêtement, il est trop bien. Quand je veux vraiment avoir un teint parfait le soir, que je charge un peu plus, etc., je l'applique vraiment sur tout le visage. Ensuite, j'applique mon blush, etc. Et franchement, il est vraiment trop trop bien. Donc profitez-en pour ceux que ça intéresse. Je vais vous mettre le lien en swipe up et la petite promo du moment.